皆さんお元気ですか？私はやすかです。今日も皆さんと一緒に日本語を練習します。今日の一文字をの練習の前に、前回の一文字和から始まる単語、和歌、ポエジー、ジャポネーズのお話をしましょう。和歌は五七五七七31文字で綴る短歌で、古今和歌集が世に出た平安時代前期にはすでにこの形式が存在していました。和歌を読むことは当時の貴族などの間ではたしなみの一つで、歌会もよく開かれました。なんと歌の良し悪しが出世にも影響したと言われています。また和歌はラブレターの役割も果たしていました。当時両家の独身女性は簡単に外を出歩いたり、よその男性とお話をすることができなかったので、当然男女の出会いの場などなく、男性は噂や家柄を頼りに女性に恋をし、意中の女性に和歌を送るのが常でした。女性側は和歌の良し悪しを相手の男性の評価基準にしていました。じらすため、もしくは興味がないためか、返事を返さないことも多かったそうですよ。もちろん女性の方も素敵な和歌を返せば評判がぐっとアップしました。紫式部、清少納言、小野小町、泉式部など当時の才女もたくさん和歌を残しています。さて今日のひらがなをの話を、発音があ行、あいうえおのおとほぼ同じなので混ざらないようにしましょう。例えば弟を迎えに行くと言ったら、最初のおは弟、プチフレーフの頭につく文字、あ行のおで、弟の後のおは和行のおです。またおで始まる単語は古典文学では趣があるという意味のおかしなどがありますが、現在ではほとんど使われず、例文の弟を迎えに行くのように前後の単語と単語をつなげて文にする格助詞の役割を果たしています。それでは書き方を見てみましょう。おは3本の線で書くことができます。1本目は横です。2本目は縦線で、右に向かって4分の1ほど円を書きます。3本目は右から始まって、2本目と交差したら弧を描きます。一緒にやってみましょう。横線、縦線から弧、右から弧を描きます。今日はちょっと複雑ですか？来週はんを練習します。では次のコーナーをお楽しみください。それではごきげんよう。Aujourd'hui, on vous propose un petit exercice sur la particule to qui signifie et. À vous de jouer. Et si on allait plus loin dans Nihongo ga Dekimasuka avec le titre Crazy Kansen na Otona de Kyuto, dans lequel elles s'imaginent devenir des adultes, sexy bien sûr. Je vais aujourd'hui vous présenter l'expression Senisuru que l'on entend dans ce passage. Le mot principal qui compose l'expression Senisuru est Sei. Il s'écrit en hiragana dans la vie de tous les jours, mais il est composé de deux kanji à la base.
Le premier est le kanji de tokoro, qui veut dire endroit, mais qui exprime parfois le fait de faire quelque chose, comme dans shoshin, le fait de croire, ou les croyances, les convictions, shozoku, le fait d'appartenir ou l'appartenance. Le second est le kanji de tame, que vous pouvez entendre dans les phrases du genre nan no tameni, dans quel but, mais il s'agit surtout du kanji du verbe suru, qui signifie faire. La combinaison des deux kanji signifie littéralement le fait de faire. Elle peut se lire shoi avec le sens de action. Sei est une lecture dérivée qui a pris le sens de cause, raison, faute. En effet, la cause est ce qui produit un effet, il faut donc bien une action qui a entraîné quelque chose. Par exemple, anata no sei desu, c'est de ta faute. Ame no sei de densha ga okurete kita, le train est arrivé en retard à cause de la pluie. L'expression utilisée dans notre chanson est sei ni suru et signifie rejeter la faute sur quelqu'un. Par exemple, Ame no sei ni shite chikoku shiyou ka to omotta. Je pensais arriver en retard en prétextant la pluie. Réécoutons l'expression dans la chanson. Cela signifie ne rejetons-nous pas la faute sur quelqu'un tous les jours. Et ouais, les Kyoto essaient de nous faire réfléchir malgré tout. Elles prouvent bien qu'on peut être sexy et philosophe, de vrais adultes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Matane !